la cordillère des Andes. Ces forêts les plus australes du monde. Plus on descend vers le sud, plus la neige et la glace prennent le pouvoir. Certains ont perdu la vie pour poser le drapeau de leur pays sur ce qui n'est finalement qu'un symbole. Qu'est-ce qui peut bien nous attirer là-bas? La navigation est très difficile. Va-t-on passer? L'infime et l'immense se confondent. Bienvenue dans le royaume des glaces. Marqué à jamais par la soif de revenir et revenir encore, au-delà de toute forme de raison.